Un échange, c'est la possibilité pour des jeunes de 13 à 30 ans de partir en groupe à l'étranger et de vivre une expérience collective et interculturelle. C'est la possibilité de découvrir des activités comme le skate, la musique, la cuisine, l'écologie et bien d'autres choses encore. I didn't really have that many expectations when I arrived here. I mean, I came here with an open mind, and I thought that it's better to see what happens, and I kind of went with the flow. C'est aussi un moyen de s'engager auprès d'idées ou de causes, telles que la lutte contre les discriminations, l'égalité des genres, l'écologie. On part en échange pour aller à la rencontre des autres et de leur culture, pour échanger des idées, des envies avec d'autres jeunes de l'Union Européenne, mais aussi des pays voisins ou encore candidats à l'entrée dans l'Union Européenne. C'est un moyen de participer à la construction de l'Europe de demain. On partage des activités, on expérimente, on participe à la mise en place d'un projet collectif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les tâches collectives, voire ménagères, sont un moyen de se tester dans sa capacité à vivre ensemble et à faire des compromis. On y apprend beaucoup sur soi. On y découvre le dialogue interculturel et ses valeurs de solidarité et de tolérance. On pratique l'anglais comme langue commune, un peu comme à la Commission européenne. Enfin, un échange, c'est un moyen de s'ouvrir aux autres, d'apprendre avec et grâce aux autres, une autre forme d'école. C'est un moyen d'évoluer et de développer des compétences sociales et techniques selon les activités proposées. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tenter, d'autant que les frais de transport, d'hébergement et de repas sont financés par la Commission européenne. You got your heart.